Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi 24 mai. C'est ça. Mardi 24 mai. Donc, je voulais vous partager pas mal de coups de cœur que j'ai en ce moment. Que j'ai quasiment tous commandés avec mes sous. Donc, je vais vous montrer ça. Hormis deux choses. Ouais, je crois que c'est tout. Enfin, bref, je vais vous partager tout ça. Regarde, June et Diego qui font n'importe quoi. Tout d'abord, je voulais vous parler d'une marque dont on entend quand même beaucoup parler, je trouve, sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook et compagnie, c'est la marque Nox. Donc c'est une marque qui m'interpellait, puisqu'en fait, en gros, ils expliquaient que c'était, on va dire, les mêmes notes utilisées que certains grands parfums de grandes marques qui coûtent juste un bras. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, parce que je n'ai même pas regardé... les prix des 30 ml, je ne m'en souviens déjà plus. Parce que les parfums de grandes marques, très clairement, en moyenne, faut compter entre minimum, je dirais 50 euros. Je dois franchement pas être loin de la vérité, 50 euros, moi, un parfum de grande marque, minimum. En 30 ml ? Même en 30 ml. Après, ça dépend du parfum, bien sûr. Hein. Mais généralement, bon, voilà, si vous n'avez pas de réduction. Pas de réduction moins 20, moins 25% que parfois les parfumeries font. D'ailleurs, en ce moment, là, pour la fête des mères, je pense que certaines parfumeries le font. Mais sinon, ouais, faut compter une cinquantaine d'euros. Même quand j'ai été au duty free, j'ai eu des parfums. Donc, je vous avais montré, hein, j'avais pris Insolence de Guerlain. Insolence de Guerlain et Mon Paris. Et moins 40%, ça reste quand même des parfums qui coûtent assez cher. Donc, ces parfums chez Nox en 30 ml, s'il veut bien s'ouvrir ce truc. J'ai un problème de connexion. Je sais pas si c'est que nous, mais en ce moment, la connexion, c'est une catastrophe. Donc, 16,90€. Donc, un parfum Nox coûte en 30 ml 16,90€ et en 50 ml 19,90€. Donc, j'ai voulu commencer par en tester 5 et j'ai pris que des 30 ml. J'en ai pris 3 pour moi, 1 pour Kisha, 1 pour Liès. Comme ça, je me suis dit, on va pouvoir chacun se faire notre avis. On est 3 personnes différentes. J'ai pris des parfums, moi, que je connaissais. Liès, je suis partie sur un parfum qu'il ne connaissait pas, mais une marque qu'il connaît parfaitement bien. Et Kisha, carrément, je suis partie sur un parfum qu'on lui a offert il y a 2 ans, c'était à Noël il y a 2 ans, et je me suis dit, comme elle était dégoûtée de l'avoir fini, je me suis dit, je vais lui prendre chez Nox, et comme ça elle pourra me dire, maman, est-ce que oui ou non, c'est le même. Alors, tout d'abord, pour moi, je me suis pris le 479, donc franchement, déjà, au niveau du packaging, j'aime beaucoup, c'est hyper soft, enfin, c'est, voilà, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de machin. Donc, vous avez le parfum qui se présente comme ça, vous avez le numéro juste ici. Donc comme ça, voilà. Moi, je vais marquer au stylo après, parce que pour l'instant, je vais vous montrer, mais je me suis carrément imprimé la liste, hein, parce que je compte bien repasser commande en toute honnêteté. Donc le 479, donc en fait, quand vous allez sur leur site, vous avez en fait un onglet où ça vous dit en fait toutes les correspondances, les numéros, à quoi ça correspond par rapport au parfum de luxe, entre guillemets. Vous avez catégorie femme et catégorie homme. Et je crois qu'il y a une catégorie maison. Enfin, je veux dire parfum d'ambiance. Parfum unisexe. Non, peut-être pas, c'est pas unisexe. Bref, j'ai tout imprimé et je suis partie sur cette base-là. Donc le choix était compliqué, mais je suis partie donc en premier choix donc sur le 479, qui est donc le Good Girl de Carolina Herrera, dont je n'ai jamais eu moi personnellement. J'ai eu la chance de pouvoir le tester en échantillon. Je l'ai retesté quand on était au duty free, sauf qu'il coûte une blinde. Mais quand je vous dis une blinde, c'est une blinde. Je crois que chez Sephora, elle est aux alentours des 80-90 euros. Au duty free, effectivement, c'est la grande chaussure. Donc, c'était vraiment le très très gros format. Mais pareil, on avoisinait les 100 euros. Ce qui était très intéressant par rapport au format, mais pff, ça fait mal. Et franchement, c'est le même. C'est exactement le même. Je sais pas si vous avez le 460, enfin le Carolina Herrera, donc Good Girl. Si vous avez l'occasion de tester chez Nox, donc le 479. Je vous le dis, c'est exactement le même. C'est vraiment incroyable. Donc, j'étais déjà très contente de pouvoir l'avoir. Et d'ailleurs, quand je le porte au boulot, tout le monde me dit « Ah, c'est le parfum de la grande chaussure, Carolina Herrera ?» Moi, je fais genre « Oui, oui, tout à fait. Ce soir, oui, ce soir. » Un parfum que ma sœur m'avait offert il y a au moins 7-8 ans en arrière, donc ça date. Mais pareil, coûte super cher. C'est le Miss Dior Chérie. Miss Dior
Non, Miss Dior, je sais pourquoi je dis chérie à chaque fois, c'est le Miss Dior de Dior. Et donc, chez Nox, il le propose, c'est le numéro 2415. C'est un parfum pareil qui sent très très bon, qui est assez frais. Donc là, pour l'été, c'est vraiment top. Et pareil, c'est bluffant, franchement, c'est bluffant. Mais je vous invite à aller, je sais pas, il faut que vous en commandiez moi un ou deux juste pour me dire. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est le Miss Dior. C'est donc le 2415. Donc voilà. J'essaie de vous remettre les numéros en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Le numéro 3, c'est celui qui chale, parce que j'ai carrément fait des croix wishlist et tout. Hein, j'étais à fond. Hein. Je me suis raisonnée à 5, mais bon. Donc pour Keisha, donc je vous disais, il y a 2 ans, pour Noël, on lui avait offert celui-ci. Le Lady Million Empire. Voilà. Donc, comme vous voyez, il est vide. Donc, elle était dégoûtée de l'avoir fini et tout. Et je lui dis, écoute, Keisha, Nox en propose un. Donc, c'est le 24-32 cette fois. Et pour avoir les deux là à côté, hein. C'est ça. Franchement, c'est incroyable. Non, mais 13,90€. Et celui-là, on l'avait encore, on l'avait en promo, je crois, à 50 balles. Non, mais c'est les mêmes. Tiens, 100 minutes chez deux. Donc, 24,32€. Donc, qui est donc, comme je vous dis, Lady Million Empire, Paco Rabanne. C'est ouf, hein. C'est ouf. À tes souhaits. C'est l'émotion. Ensuite, pour... ça, c'est pour qui? 446, c'est pour moi. 446, c'est pour moi. C'est le Black Opium. Donc, je ne l'ai pas à vous le montrer, mais pour celles qui me connaissent, qui ont déjà vu mes vidéos, je l'ai déjà eu. C'est un parfum noir à tes souhaits, avec, vous savez, plein de paillettes et tout. Vraiment très, très beau. Je me demande si la bouteille vide, je ne l'ai pas donnée à Mel de la chaîne Happy Laser 17. Et pareil. Non, mais c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Donc, comme je vous disais, le 446 Black Opium, je valide totalement. Donc, en ce moment, j'utilise beaucoup le Good Girl. Et là, je vais commencer avec le deuxième, là, le 2415, qui de mémoire est donc le Miss Dior. Et pour finir, pour l'IS, donc le parfum n'est pas dedans puisqu'il a déjà monté là-haut, c'est le numéro 130. Je vais chez les garçons. Et donc je lui ai pris le Dior Homme de chez Dior. Donc l'IS ne connaissait pas ce parfum là, puisque donc c'est le numéro 130. Puisque l'IS lui en général il prend le Dior, enfin en général il prend le Dior Homme intense. Et on s'est dit bah tester un parfum Dior parce qu'il aime beaucoup. Donc dans les autres, il n'y en a aucun qui est planté à part celui-ci. Et franchement, non, il sent super bon. Celui que tu m'as offert avant, c'est Dior Homme, mais le nouveau. Ça c'est l'ancienne version. Donc ça c'est la classique. Mais ils sont divinement bons. Franchement ils sont super bons. Donc lui il le porte au boulot. Et pareil franchement voilà. Donc autant vous dire que Nox, très 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 belle découverte. Vous recevez les parfums comme ceci. En plus j'avais un petit nœud rouge voilà au dessus. Donc je me suis fait une wishlist. Je vais voir avec eux, s'il y a moyen de vous dégoter un petit code promo sympathique, parce que franchement, même moi je vous avouerai que je l'utiliserai. Parce que je me suis fait une wishlist et franchement, mais il y a un choix de dingue. Il y a toutes les marques. Il y a toutes les marques inimaginables. Et quand vous voyez le prix par rapport au parfum de luxe, franchement, c'est vraiment the bon plan. Donc je valide toutes celles qui ont testé, alors que ce soit par leurs propres moyens ou en partenariat avec Nox. Franchement, effectivement, c'est un très 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 bon compromis. Simplement, comme je vous le disais, moi je vais rajouter juste avec des petites lettres en fait derrière, parce que vous avez l'étiquette, on est pas ouvert. Voilà, pour savoir à quoi ça correspond, je vais me mettre avec un stylo bic, voilà, parce que je vais pas garder ma liste à chaque fois avec moi. Mais en tout cas, pour commander, je vais garder ma liste précieusement. Franchement, ça vaut grave le coup. Donc voilà pour déjà mon premier gros coup de cœur. Deuxième gros coup de cœur que j'ai commandé grâce à cause de ma petite sœur, la maman des jumeaux, voilà comme ça on va y arriver. En fait elle me parle d'une marque qui s'appelle Niki, que je ne connaissais mais absolument pas. Et ma sœur comme moi elle fait des mèches blondes, elle me dit franchement la gamme est vraiment top. Les shampoings, les masques à la base sont pas donnés, mais il y a souvent des codes promo moins 50%, donc elle m'en avait passé un. Je sais plus ce que c'était, mais je vais vous en retrouver, hein, vous inquiétez pas. Elle en trouve tout le temps, puisqu'elle commande très très régulièrement. Et du coup, je me suis laissée tenter. Et du coup, pour les deux produits, j'en ai eu que pour 30€, donc frais de port compris, donc vraiment très très sympa. C'est une gamme en fait silver, donc pour
entre guillemets neutraliser, enfin c'est entre guillemets, c'est pour neutraliser tous les effets cuivrés que vous pouvez avoir dans les cheveux. Donc moi je l'utilise depuis maintenant, je sais pas, ça fait 15 jours, 3 semaines que je l'ai, donc j'ai dû le faire 3 ou 4 fois, peut-être 4, 5 fois grand max. Et franchement je le trouve super efficace, en sachant que moi j'ai quand même des reflets cuivrés dans mes cheveux puisque c'est ma nature de cheveux, donc je ne peux pas non plus me battre contre elle, hein. Elle revient au galop, donc quand je retournerai chez le coiffeur ils vont remettre un peu de blondeur dedans et petit à petit c'est moins cuivré et grâce au shampoing bleu je m'en sors. Et souvent en hiver je refais des racines plus foncées et je les fonce en fait, voilà. Automne-hiver je les fonce et printemps-été en général je les éclaircis. Ce qui fait qu'en plus, ils ont de plus en plus de mal à avoir vraiment de la blondeur au niveau des racines, puisque forcément, je joue entre les deux, ce qui n'est pas forcément le plus simple pour les coiffeurs. Mais en tout cas, je suis ravie de ce shampoing. Donc, c'est le shampoing de la gamme, donc de la marque Niki. Comme je vous disais, c'est un format qui est quand même assez imposant, hein, 300 ml. Non, 500 ml, vraiment je mets mes lunettes à chaque fois, je le dis. Pour cheveux colorés et ternes, apporte de l'éclat. Et effectivement, c'est un shampoing couleur bleu-violet et il est vraiment top. Et le masque se présente comme ceci. Et pour celles qui ont les cheveux blonds ou qui font des mèches ou des choses comme ça, vous savez, quand vous allez chez le coiffeur, ils vous proposent souvent de faire des patines. Moi, j'accepte systématiquement. Pareil, dans le but de neutraliser ces effets cuivrés, roux et compagnie. Je vais pas réussir à l'ouvrir ce truc. Ça glisse, je vais avoir les doigts tout bleus. Oui. Voilà. Et en fait, le masque est très épais. Ça fait vraiment effet patine. Mais vraiment. Donc moi, je laisse poser entre 5 à 10 minutes selon le temps que j'ai. Et franchement, vraiment, vraiment top. Et surtout l'odeur. Ça sent, mais tellement bon. Franchement, c'est la première fois que j'ai des shampoings bleus qui sentent aussi bon. Donc je recommanderais, ça c'est sûr, pour l'instant j'ai pas besoin, hein, j'ai du stock. Mais voilà, je sais pas si vous connaissez cette marque, moi je la connaissais absolument pas, j'ai découvert pas grâce à ma petite sœur. Et j'en suis ravie. Et donc je vous dis, grâce à son code promo, mais je vous dis, on a très souvent, j'ai eu moins 50%, donc j'ai payé 30€ frais de port compris les deux produits. Et en plus, il y avait un trio de petits shampoings offerts, donc ça je trouvais ça cool pour pouvoir tester. Il y avait le masque capillaire à la kératine, donc c'est des formats 50 ml. Donc en plus c'est des beaux cadeaux quoi, c'est pas des petites miniatures, voilà quoi, c'est vraiment très très beau, très beau format voyage. En cadeau aussi j'ai eu shampoing à l'huile de Nigel senteur oud, apaise et fortifie, ça doit sentir trop bon. Moi j'aime bien cette odeur oud là, j'avais un parfum comme ça avec cette note là, j'aimais bien. Et le dernier shampoing Fruitzy. De marula et au beurre de karité, nourrit et discipline pour cheveux crépus et frisés. Donc ça, je vais le donner à mademoiselle Kisha. Voilà, comme ça, elle va pouvoir découvrir aussi. Et pourquoi pas lui prendre peut-être cette gamme-là. Peut-être qu'elle sera très contente de ça. Ensuite, troisième produit que je me suis commandé, enfin troisième marque que je suis commandé, je l'ai commandé sur Amazon. Donc c'est le Natural Bronzer de chez Garnier Ambre Solaire. Eau de coco hydratante comme ceci. Donc c'est un... Comment on appelle ça, Minouche? Une mousse auto-bronzante. Alors, depuis à peu près une semaine maintenant, je ne mets plus du tout de produit teint sur mon visage, ni fond de teint, ni bébé crème, rien du tout. Je mets juste un peu de mascara, un peu de rouge à lèvres, voilà, histoire de... Mais je ne mets absolument plus de produit teint parce que quand il fait très très chaud, c'est extrêmement casse-pied en fait d'avoir même la bébé crème, pourtant qu'elle est légère, qui va dégouliner un peu. Si vous essuyez, ça fait une espèce de couche sur votre mouchoir, enfin c'est chiant. Et j'ai découvert ça. Et voilà, Elias là, du coup la teste aussi et il kiffe. Donc c'est une mousse que vous mettez dans la main, vous pouvez en mettre sur le visage et sur le corps. Donc moi je l'avais descendue jusqu'à peu près ici, on voit un petit peu quand même la démarcation, hein, vraiment le col quoi. Et franchement, j'arrive pas à voir si on peut voir la différence parce que j'ai pris, voilà. Par exemple, j'en ai pas mis là sur l'intérieur de mon bras. Ça donne vraiment un effet super bonne mine. Mais ça fait pas du tout de côté orangé, ça laisse pas les mains oranges, c'est vraiment le top. Du coup, Lies m'a dit, mais qu'est-ce que tu mets en ce moment? T'as vachement bonne mine. Au début, je pensais qu'il se foutait de moi, il me dit, non, sérieux. Et donc... Quand tu es partie à ta maman, ah oui, quand je suis partie, c'est ça. Ouais. Il me dit, en fait, c'est ça l'histoire de la base, la raison. Quand je suis partie à ma réunion jeudi dernier à Paris, quand je suis revenue, il me dit mais t'as pas travaillé, en fait t'as bronzé, tu t'es posé dans Paris, t'as bronzé. Je lui dis bah non, t'es dans une salle fermée et tout. Je me suis dit, ouais, il se moque de moi. Les chiens, ils se moquent. Diego, June,
ils se moquent de moi et tout, ils trouvent que j'ai pris des couleurs, moi je rougis tout le temps. Et en fait non, il me dit non sérieux, t'as pris vachement des couleurs et tout. Et je lui dis non en fait c'est une arnaque. Et franchement top, mais vraiment top, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il en faut très très peu, hein. Moi je vous dis ça fait au moins une semaine que j'utilise, c'est un 200 ml. L'ISCMI aussi, bon ouais, on est quand même à deux dessus. Ça fait 3-4 jours que tu l'utilises. Et vraiment il suffit d'une petite noisette de mousse. Donc c'est pareil, il en met je vais faire une photo du truc. Ah, après. Donc il s'en met sur son visage un petit peu, sur ses bras et tout. Et franchement, mais le top du top. Mais vraiment. Je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous testez, vous m'en direz des nouvelles. Ça vaut pas très cher. Je pense que ça se trouve aussi en grande surface. Hein. Je l'avais jamais vu, mais j'imagine que ça se trouve en grande surface. Et ça sent super bon. Bah, je vous avouerai que j'appréhendais un petit peu. Parce qu'en général, on finit souvent orange ou avec les mains orange. Et là, pas du tout, du tout, du tout. Ça fait vraiment, je trouve, un effet super bonne mine. Donc je valide grave ce produit auto-bronzant. Il va faire une photo. Ensuite je voulais vous parler d'une marque que je connais très très bien. J'ai pu découvrir certains produits solaires grâce à Octoly. J'en suis vraiment très très contente. Ils m'ont beaucoup servi notamment au Village Nature. Et là ces derniers jours, parce qu'il a fait très... Bon aujourd'hui c'est pas la bonne journée, il fait un temps très très mitigé. Mais ces derniers temps on a eu vraiment une grosse chaleur et des grosses températures. Et effectivement moi j'ai tendance à rougir. Donc faut vraiment que je me protège, et les garçons c'est pareil en fait, hein. Ilan et Sohan, ils ont la peau après qui brunit quand même plus facilement que moi, mais ils ont tendance à rougir. Et j'ai pu tester 3 produits, dont un c'est vraiment un gros 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 coup de cœur. Donc c'est celui-ci, c'est le Fluid, donc c'est ce petit produit là. Donc c'est un format 50 ml, il en faut très très peu, c'est un SPF 50 donc très protecteur. Peau normale à mixte, ultra léger, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est le côté ultra léger. Alors je sais pas pour vous, mais moi quand je mets de la crème solaire à mes fils, notamment à Sohan, je lui en mets et recule. Donc j'essaie de lui étaler et recule, et recule, et recule. Et je mets 15 ans à étaler la crème solaire. Je ne sais pas pourquoi que je faisais pareil quand j'étais petite, elle reculait. Et pour le coup celui-ci pénètre, mais quand je vous dis ultra rapidement, c'est ultra rapidement. Vous en mettez, vous étalez, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc autant vous dire que c'est vraiment le top. Il en faut pas beaucoup, donc ça que ce soit pour mon visage ou pour le visage des enfants, franchement le top du top. SPF 50, moi je le conseille, hein, surtout au début quand vous n'avez pas fait le soleil depuis un petit moment, ça évite quand même pas mal de désagréments. Ils m'ont aussi envoyé le spray pour le corps en fait, donc très haute protection 50, pareil en protection 50, peau sensible. J'aime beaucoup l'ouverture du packaging, en fait ça se tourne comme ça. J'y arrive plus. Ah voilà. J'étais en train de tourner là, ça se tourne là. J'étais en train de me dire que c'est hyper facile. Mais les deux en vrai. Donc je disais, ça, packaging super pratique. Je voulais faire une démonstration hyper fun, mais il m'arrive toujours un truc à moi. Mais en fait c'est ici, c'est cette partie là. Vous tournez et le spray sort. Et le gros avantage c'est que quand vous allez à la plage, n'est-ce pas, ce qui a de plus casse-pied notamment, c'est quand le sable se met dans les crèmes solaires. Alors déjà moi j'aime pas trop la plage, mais alors le sable qui se fout dans la crème solaire c'est juste atroce. Là vous avez juste à déverrouiller, le spray sort et pareil, c'est un lait très 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 léger et qui pénètre super vite. Donc ça je l'ai utilisé notamment pour aller à Disney aussi, les deux visages, bras pour pas choper de coups de soleil. Et ni Sohan ni moi n'avons chopé de coups de soleil, donc je suis très contente. Il a la zone sensible, c'est sous les yeux. Donc voilà, donc franchement si vous connaissez pas cette gamme, je ne peux que vous la conseiller. En plus en termes de tarif, elle est pas excessive franchement. Pour le coup, je m'attendais à vraiment beaucoup plus cher puisque le petit fluide est à 10 €. Et franchement, comme je vous dis, il en faut très très peu et ça pénètre mais super vite. Donc je pense que si j'en ai plus cet été, après voir comment la météo a évolué, mais si j'en ai plus pour cet été, je pense qu'on partira là-dessus, c'est sûr. Et le spray est à 16 € et c'est un format 200 ml. Donc vraiment le combo top. Voilà, on est au bord de la piscine ou à la plage éventuellement, mais nous je pense que ce sera quand même beaucoup plus piscine. Et le petit baume que j'ai pas encore testé qui est à 13 €, donc ça c'est bien, c'est vraiment pour les zones un petit peu plus sensibles. Donc ça je vais le garder parce que je vais clairement glisser dans mon sac à main, puisque moi les coups de soleil généralement, comme je vous dis, c'est souvent le nez et sous les yeux. Ilan et Sohan c'est pareil, donc je me dis ça, je vais le glisser et de temps en temps... Voilà, histoire de ne pas brûler, puisqu'il y a marqué pour les zones sensibles, effectivement. En tout cas, moi, c'est les zones que j'ai le plus sensibles, et les garçons aussi. Donc voilà, donc pareil, ça c'est hyper pratique à glisser dans le sac à main. Par exemple, si vous faites une rando, une balade ou un truc comme ça, pour faire voilà, une petite, pas une retouche, mais vous voyez, en remettre un petit peu de temps en temps.
Donc vraiment top, mais en tout cas ces deux produits là, gros coup de cœur. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir même dans vos parapharmacies, souvent il y a des prix vraiment intéressants. Écoutez, je pense que... Ah non, il y a un autre truc que je voulais vous montrer aussi qu'on a commandé, bah, que j'ai commandé le jour de ma réunion sur Amazon à cause de l'IS. Il m'envoie un lien en fait, donc c'était à 10€ au lieu de je sais plus combien. C'était 10€ le nerf. Hein. De 19. Ouais, donc 10€ au lieu de... Ouais, en fait c'était moins 50%, donc 10€ au lieu de 20. Donc ce sont des nerfs, donc moi les nerfs j'en avais ras-le-bol à la maison, mais c'est pas des nerfs, c'est des nerfs pistolets à eau. Donc on en a, enfin j'en ai commandé deux pour les garçons cet été ou même pour nous, parce que je pense bien qu'on va se faire une bataille. Et en fait, en plus c'est Fortnite. Donc le petit truc qui va bien. Donc vous remplissez ici, voilà, vous mettez de l'eau et ensuite... Vous pouvez tirer. Elle est où la... Comment se tire après? Bah comme ça. Ah d'accord. Je suis nulle, je vais pas gagner, moi c'est sûr. Voilà, donc je pense qu'ils vont être trop contents, siglés comme ça, Fortnite. Donc 20 balles, on n'aurait pas mis 20 balles là-dedans, ça c'est sûr, mais 20 balles les deux, on s'est dit, ils vont être trop contents. Et même nous, franchement, je pense qu'on va s'éclater avec les nerfs. J'ai un autre truc aussi à vous montrer, mais Liès me l'a lavé, donc je vous montrerai plus tard. Qui me permet de m'hydrater, parce que comme vous voyez, j'ai des problèmes d'hydratation et j'ai trouvé une petite astuce, donc je voudrais vous partager. Et puis bah écoutez, c'est tout pour ce début de semaine. Voilà, tranquillement. En tout cas, voilà, je tenais vraiment à vous partager ces produits coup de cœur, notamment la marque Nox. Vraiment, je suis bluffée. Le produit effet bonne mine. Les produits solaires vraiment top, produits capillaires, je suis très contente aussi. Je pense que je retournerai chez le coiffeur bah là au courant du mois de juin, j'allais dire mai, mais non, mai est déjà terminé. Au courant du mois de juin. Et voilà, voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que pour vous tout va bien. Et on se retrouve, bah, je pense, demain ou après-demain, ou je ne sais pas. Donc nous voilà mercredi, donc en quittant le boulot, ça a été vite fait chez Action parce que je voulais acheter deux trucs pour cet été. Et bien sûr quand tu vas chez Action tu finis toujours par acheter d'autres choses. Donc je vais vous montrer tout ça. Oh, c'est ça là. Alors, j'ai su le ticket. J'ai su le ticket, ça va être la catastrophe. Vous allez être trop carrément. Diego, il n'y a rien pour vous. Ça ne sert à rien. Pour Mortel, je suis toujours aussi bien organisée. Alors, pour 1,99€, j'ai pris 3 sachets d'amandes comme ceci. J'adore en fait les dragées. Et du coup, les amandes. Et j'ai découvert ça, enfin, qu'il y en avait chez Action, notamment grâce à Elsa et à Mélanie de la chaîne Pistolizer 17. Puisqu'Elsa adore aussi les amandes et elle disait qu'il y en avait chez Action lors d'une soirée et elle en prend régulièrement, donc quand j'y pense j'essaie d'en prendre 2, 3, ça dépend, mais voilà, franchement elles sont super bonnes. Ensuite pour 89 centimes j'ai pris des mouchoirs, voilà, parce qu'on arrive à la fin de nos paquets de Kleenex, donc j'ai repris des mouchoirs. Ensuite pour 1,59€ j'en ai pris 4 au total. La catastrophe, je vais éternuer. Oh Diego! Oh Diego! Bouge! Il a pété. Donc pour 1€, je vous disais quoi? Oh là là! 1,59€, donc j'ai pris deux paquets de petits bâtons comme ceci, j'aime beaucoup ça, au Coca-Cola. J'en ai pris deux à la fraise, cette fois-ci je vais essayer d'être plus raisonnable. Et on a déjà entamé là-haut, puisqu'avant de. On est rentré, on a mangé, on a fait une petite sieste. Là on vient d'aller sortir. Diego et June. Ensuite, pour 3,06€, on a repris du papier toilette. Voilà, chez Action, il est pas cher. Et très bien. Franchement, très très bien. Voilà. Franchement, il est cool. Par contre, j'ai l'impression qu'il a augmenté. 3,06€ ? 5,99€. Alors, laquelle est ? C'est celle qui est sous papier. Donc, normalement, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci pour échanger. Donc, j'ai pris une robe code 180. Code 180, donc à 5,99€, j'ai pas du tout de robe moi, et je me suis dit pour cet été ça pourrait être pas mal parce que normalement là où on va il va faire très chaud, et moi bon, la chaleur ça fait 50, mais bon. Donc j'ai dit, je voulais commander des robes, j'avais regardé un petit peu sur Shein, mais j'ai un peu peur de la qualité, de la matière et tout, donc et puis en fait chez Action c'était moins cher,
Donc j'ai pris chez Action. Donc c'est une taille unique, hein. Il n'y a pas de taille. Donc elle est à petite bretelle comme ceci. Elle est élastique au niveau de la poitrine, donc ça permet quand même de... tranquille quoi. Et elle est toute longue comme ça, mais elle est assez simple, elle est en noir et blanc. Donc je vais essayer ça, je vais garder le ticket, je vais essayer tout ça. Elle me paraît pas mal, elle me paraît légèrement transparente. Je sais pas si on s'en rend compte, mais elle me paraît légèrement en transparence quand même. Après je me dis, bon, pour cet été, pour les vacances, ma foi, bon. Mais je sais pas, en fait quand je la mets comme ça, je vois une transparence moi. Bref, après je sais pas, bon. Voilà, je me dis que ça peut être pas mal, c'est léger, ou pour aller à la plage ou à la piscine. Donc je vous ai dit 5,99€. Ah, j'arrive pas à éternuer, c'est la catastrophe. Ensuite, pour 4,29€, j'ai pris un chemisier sans manches. Pareil, je voulais prendre un haut habillé. Je me suis dit, si on sort de resto cet été et tout, ça peut être pas mal. Donc j'ai pris en taille M. Hop. Je vais l'ouvrir, pareil, faut que j'essaye. Qu'est-ce que c'est, ces alarmes? Il n'y a rien à manger, Diego. Je te promets qu'il y a rien à manger. Donc c'est un petit... oh, il est sympa. C'est un petit haut comme ça, super léger, de matière super légère. Vous avez de la dentelle au niveau du col. Donc il y avait noir, bleu ou blanc. Moi, j'ai décidé de le prendre en bleu avec un effet, vous voyez, un peu froncé juste devant et plus long derrière que devant. Donc, vous voyez, c'est une maille, n'importe quoi. Une matière très, très légère, donc en transparence. Hein. Mais pareil, pour l'été, ça peut très bien faire l'affaire. Donc je vais essayer tout ça après, n'est-ce pas? Je vais retirer comme ça, je pourrais mettre tout la vache si ça va. Donc je vous ai dit 4,29€. Pour 4,49€, on a pris pour Sohan, puisque Ilan lui a déjà une serviette de plage Jurassic World qu'il a depuis très longtemps, mais il la prend tout le temps celle-là. Sohan en général, il prenait celle des 25 ans, mais là on lui en a trouvé une qui correspondait bien à Sohan, puisqu'elle est super-héros. Donc Superman, Batman, Flash, voilà. Donc on lui a pris, donc c'est une serviette enfant, hein, c'est du 60x120. Donc pareil, je vais la laver et la mettre, enfin je vais lui montrer avant, la laver et la mettre de côté pour les vacances. Ensuite, pour 7,99€, j'ai pris cette robe-ci. Qu'est-ce qu'il a? Vous voyez, avec un col un peu plongeant mais pas trop, assez longue. Pareil, faut que j'essaye. Pareil, j'ai pris une taille M. Ça correspond à du 40-42. Elle est plus épaisse que l'autre. Donc ouais, ça fait un effet. Ah, ça fait un effet cache-cœur en fait devant, vous voyez. Et ensuite, pareil, tout en longueur, mais elle est moins longue, je pense, que l'autre. Donc pareil, je vais essayer ça. Et on va voir ce que ça donne. Mais ça m'a l'air pas mal, voilà. Et pareil, on aura bien avec des petites espèces de fleurs là. Donc je vais essayer ça juste après. Et donc on y allait pour ça à la base, pour 7,95€. Donc j'en ai pris deux. C'est pour Elias et moi. Je vais demander à Elias si t'en défais un pour vous montrer comment ça se fait. En fait, ça se. C'est un. T'as dit quoi? Une nappe de. T'as dit quoi, Minouche? Une nappe de quoi? T'as dit quoi? Tapis de placement de dossier. Enfin, c'est un tapis avec dossier, en fait, vous savez, pour aller à la plage ou à la piscine. Et vous avez une nappe. Une natte de plage. Et en fait vous voyez, il y a une en fait ça se porte comme un sac, vous voyez, vous baladez avec ça et après vous dépliez. Et je vais vous montrer ça, je vais m'en aller si on ouvre un, comme ça on va voir comment ça fonctionne. Et après ça vous fait ça, parce que je me dis que quand on va aller au bord de la piscine, s'il n'y a pas assez de transat, j'ai pas envie de me poser au sol sur le béton, ça fait mal aux fesses. Donc là il y a un petit peu d'épaisseur, c'est pas une épaisseur de fou, mais au moins il y aura un petit dossier, vous voyez, pour faire comme ça là, pour bronzer et tout. Donc il y avait normalement gris, rose et vert. Il n'y avait pas gris quand on y a été, donc il y a sa préférée prendre un rose. Parce que Yves déteste le vert. Donc du coup il y aura un rose comme moi. Mais avec son petit short, ça ira très très bien. Son petit short, enfin son maillot de bain. Non mais ça ira très bien avec tes flamants roses. Ensuite, donc 7,95€, et ensuite pour 89 centimes pièce, on a repris le papier WC humide, un pour le toilette du haut, un pour le toilette du bas. Et pour 1,29€, nous avons enfin trouvé de l'aluminium, voilà, qui devient une denrée très très rare, aluminium, je sais pas ce qui se passe avec l'aluminium. Mais voilà, donc je vais aller essayer tous les vêtements et je vous dirai demain si tout allait bien. J'essaierai peut-être de vous montrer porter les affaires, je verrai ça demain.
Et j'ai reçu aussi des baskets aujourd'hui, il faut que je vous les montre, je les ai commandées sur Zalando, je suis trop contente. Mais je vais vous montrer tout ça demain. Voilà, comme ça je vais pouvoir déjà ranger tous les trucs avec son... Ah non, je vais demander à Alice qui me défasse une natte de plage, que je vous montre à quoi ça ressemble. Là je suis en train d'essayer le haut, je sais pas si vous allez bien voir, parce que reflet de miroir. Donc vous avez ici, bah, comme je vous disais, de la dentelle. Bon là j'ai un débardeur blanc en plus en dessous, donc je pense qu'on voit le blanc... Mais il y a un débardeur blanc. Franchement, devant il est assez court, mais il est plus long derrière. Je vais faire ça, moi. Oui. Je sais pas si oui, mais oui. Oui, peut-être. Ça arrive vraiment au milieu des fesses, ici. Voilà, donc très sympa. Donc je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. J'ai pas le trépied ni rien, mais non, franchement sympa. Il a l'air pas trop épais en plus. Enfin, pas trop chaud, ça que je veux dire. Parce que vous savez, c'est une matière un peu... Enfin bref, je suis contente. Voilà, donc ça, je vais garder et je vais essayer les robes. Alors, en ce qui concerne cette robe-là, elle est super fluide. Donc, je pense que quand il va faire très très chaud... Ouais, paye ta dégaine, chaussette tongue. Je pense que quand il va faire très très chaud, ça va être très très sympa. Parce qu'elle est vraiment très 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 fluide. Par contre, moi, je fais 1m70. Et comme vous pouvez voir, elle m'arrive vraiment aux chevilles. Donc, si vous êtes plus petite... Attention, par contre au niveau de la poitrine, vous voyez, il y a quand même de la marge. Hein. Donc, si vous avez une poitrine plus imposante, vous pouvez y aller tranquille. Et franchement, voilà, pour moins de 10 balles, très bien. Hein. Voilà, Diego. Voilà, très sympa, franchement, très très sympa, très très fluide. Bon, j'ai toujours mon débardeur en dessous. Hop, hop. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Et je pense que ça va être ouais, très agréable à la playa. Voilà, je vais essayer l'autre. Et donc celle-ci, par contre celle-ci c'est, je pense, débardeur obligatoire. Ou en tout cas, vous savez, une brassière. Parce que mine de rien, ça fait quand même un effet cache-cœur, assez cache-cœur. Donc je pense que je l'assumerai pas avec un simple soutif. Franchement, elle est très sympa aussi. Elle est plus courte que l'autre. Par contre, elle a tendance, voilà, à marquer toutes les zones, les hanches, le petit bidon et tout. Donc si vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps, elle vous plaira peut-être pas forcément. Moi, je vous avouerai que, bon, voilà, je sais que j'ai pris du poids, notamment suite à un souci de thyroïde. Oh, bonheur, oh, joie. Donc je fais avec, hein, on va pas non plus, y a pire dans la vie. Voilà, l'important c'est que je sois bien dans ma tête et dans ma peau. Bon, en plus j'ai les débardeurs qui a fait enrouler boulet, donc ça range pas les histoires, cette affaire. Mais bon, voilà, c'est vrai que si vous aimez pas trop marquer vos hanches, et si vous avez un petit bidon comme moi c'est le cas, ça peut marquer, voilà, un petit peu, on va dire, certaines imperfections. Après, j'ai envie de vous dire, tant que vous êtes bien dans votre vie, dans votre corps, c'est le plus important. Et moi, je la trouve plutôt sympa. Franchement, pareil, pour moins de 10 €, elle est très légère aussi. Je vous dis, par contre, je pense que débardeur obligatoire, en tout cas en ce qui me concerne, ou brassière, vous voyez, une petite brassière comme ça, parce que sinon, le décolleté, je suis pas sûre que j'assume. Autant mes rondeurs, ça va, mais autant le décolleté, moins. Bizarre la vie. Minouche nous fait une démo de l'âne. Regardez le massacre. Qui a fait ça? June, oublie, oublie, forget. C'est pour partir en vacances, donc forget. It's not a game. Oh, il y avait une petite fermeture, ça sert à quoi? C'est pour mettre des petits trucs si on veut cacher téléphone et tout, ouais. Ça peut être sympa. Oh, c'est cool. Non, mange pas ma robe. Et t'as des gaines. Bon, ben, on va couper le temps que Minouche fasse la construction. En vrai, tu veux faire une rencontre. Pourquoi? Ma robe, t'aimes pas ma robe? Non, mais c'est l'ensemble. Ah, avec les tongs, tu m'as fait peur, je crois que c'est la robe que t'aimais pas. Non, mais après, t'aurais pu ne pas l'aimer, hein. Je peux dire que j'aimais. Non, mais comme tu m'as dit ça, bof. Mais regarde, je pense que June, par contre, elle la kiffe, elle essaie de la manger. Non, mais après, t'aurais pu ne pas l'aimer. Mais si tu l'aimes pas, faut me le dire maintenant. Parce que je crois que c'est échange remboursement sous. Ouais, encore heureux. Quoique, ça pourrait être un défi, tu sais, pour le mois de juillet. Bon, tu danses en Minouche? Oui. Allez, courage. Dieguito, concrecocito. Alors, Minouche nous a fait l'installation du truc. Voilà, et June s'installe. Non, mais c'est trop cool. Voilà, et comme ça, bon, c'est pas hyper épais, après, hein. C'est pas hyper épais, mais ça fait quand même. June, ça fait quand même une petite couche, vous voyez, de. Comment dire, de protection. Déjà, c'est imperméable, donc c'est cool si le sol il est mouillé.
Et c'est surtout vous rajoutez votre serviette et ça fait moins mal aux fesses et ça vous fait un petit dossier. Et vous pouvez régler le dossier grâce à la sangle qui est ici. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. T'as vu, j'ai bien écouté ce que t'as dit. Voilà, bah, on va le laisser plier celui-là. Bah voilà, bah, fais le deuxième comme ça on aura pu. Et après pour le transporter, il y a une anse en fait. On les plie. Les chiens. Roulez bouler les chiens. Et voilà. Nous alors rien du tout. Heureusement qu'on fait pas le téléachat. Pourquoi il n'y a rien du tout? Mais non, normalement il y a une anse. Bah, oui, parce que t'as mal mis la anse. Non, la anse, c'est bien voilà. Mais non, 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 et c'était marqué sur l'image doublant. Mais non, tu peux pas te balader comme ça. Minouche. Bah ouais, c'est voilà. Oui, voilà, c'est, en fait c'est censé donner ça. Non, mais faut qu'on arrive à créer ça. Quand on aura compris le concept. Ouais. Voilà, quand on aura compris le concept. Ah mais il faut qu'on arrive à cette étape là quand même, c'est bizarre cette affaire. Pardon, pardon, pardon. Ah, Minouche a trouvé. Ah. Ah, il y a des petits scratchs. June, Diego, il y a des petits scratchs. Et voilà. Voilà. Merci pour ce défilé. Bon, pété ton chaussette aussi. Magnifique. Magnifique défilé. Arrête, t'es trop bête. Donc voilà, qui va vérifier le deuxième et franchement, je trouve ça plutôt pratique pour partir en vacances. Donc on se retrouve en voiture, nous sommes samedi, donc hier on a récupéré les garçons. On est rentré à la maison, on a été sortir June et Diego, ensuite on s'est commandé des pizzas. On a regardé un petit peu un spectacle et ensuite on s'est endormi. Et là on va en direction de Barot World. Je vous disais dans des snaps en fait, non pas dans les snaps, je suis trop tardée chaque fois, dans les Insta Stories qu'on y avait été en 2019, mais non en fait j'ai vérifié c'était en 2020 puisqu'on était masqué en fait, on avait le port du masque obligatoire donc la Covid était déjà installée, donc ça va faire 2 ans et comme je vous l'expliquais en fait à la base il y avait une femelle jaguar qu'on avait vue, je vous avais filmé d'ailleurs des petits moments, enfin on avait pu la filmer, entre temps ils ont fait venir un mâle et ils ont eu deux bébé, des jumeaux. Ouais. Ce qui est mignon, c'est que la maman, elle est noire tachetée, puisque c'est quand même un jaguar. Et le père est jaguar, c'est-à-dire vraiment le pelage tacheté, vous savez. Et les jumeaux. Ouais, et les jumeaux, en fait, il y en a un qui est comme la maman et un qui est comme le papa. Donc c'est assez marrant, je trouve. Donc on va aller le découvrir. Donc aujourd'hui, il fait beau, mais pas trop chaud. Donc tant mieux, il fait une vingtaine de degrés. Donc ce sera pas mal. On a pris des pique-niques et tout, donc on va pique-niquer dans le tourner à droite sur D20. Dans le Parrot World et on va essayer de vous faire découvrir un petit peu ce parc, même si je vous avais quand même pas mal filmé il y a 2 ans. Voilà, bienvenue à Parrot World à 900 mètres. Donc voilà, donc de toute façon je vais filmer un peu et puis voilà, c'est un parc qui est vraiment très sympa. Il n'est pas excessif. Il va s'agrandir avec le temps, donc on a hâte qu'il s'agrandisse. Je pense pas que ça ait été fait pour l'instant, peut-être qu'on va découvrir de nouvelles choses. Mais en tout cas, le passage dans la volière avec les perroquets, c'est vrai que c'est vraiment très très sympa. Donc bah écoutez, on se retrouve à l'intérieur. Il est flamant rose. Il est énorme le truc là. Et le capybara qui est en train de faire la sieste. Non, regarde, on dirait qu'il est énorme. Il est énorme. C'est beau les flamants roses. Hein. Ouais, c'est magnifique. Magnifique. Rose et blanc. Parce qu'il y en a des roses. Oh, j'ai réussi. Des canards. Pourquoi ils ont pas mis de blanc? Regarde les canards. C'est trop mignon. Là j'ai trouvé le rébus, mais je vois pas c'est quoi la lettre. J'ai vachement me baigner dans cet élément. J'adore me baigner dans cet élément peut-être. Tout à l'heure tu faisais quoi? Non mais j'ai parce que j'étais en train de faire le rébus. Mais maman, t'as pas vu que c'est parti? Il y a le gros. Bah non, j'avais pas vu. Et eh, oui, en plus je l'avais même pas vu, tu vois, sur les tortilles. Mais si tu le fais, il va te manger. Il est costaud hein. Perroquet juste posé là-haut. Sont beaux. Je tape la pose. Elles sont pas encore là. Ah. Là il est tout seul. Ah, il y en a plein là-haut. Attendez. Salut. On le touche pas.
On a pas le droit de toucher? Ah non. Non. Ne pas toucher, regarde, c'est écrit juste au-dessus. Attends. Ah oui, ne pas toucher. Mais il est vraiment juste à côté de nous. Est-ce que t'as déjà pris une pause? Bah tape une pause avec le perroquet. C'est pas à côté, oh là ça. Là. Ah, le bébé. L'enclos des cochons d'Inde. On vient d'en voir un, mais il est parti dans le trou. Ah, il y en a un là, il y en a un là. Regarde, Ilan. Franchement, ils ont la belle vie, hein. Des belles baraques. Hein. Avec, avec des terrasses et tout. Il est parti dans le coin, là, le noir et blanc. Mais j'en ai vu un beige aussi. Je sais pas où il est. Trop mignon. Avec là, il y a un tuyau gris, donc c'est dans leur enclos. Et en fait, s'ils ont assez d'être au seuil ou à la vue du public, ils peuvent aller derrière en fait. Je vais essayer de vous montrer, il y en a au moins 3 ou 4 derrière là-bas. Et à l'abri des arbres. Sans prendre rien, hein, là. J'aime bien sa couleur, t'as vu, c'est la couleur de ma casquette Los Angeles. Ah ouais. Non, bon, qu'est-ce que tu fais? Il a cru qu'il allait pouvoir rentrer. Ah ouais, tu peux pas, les sommes. Mais j'ai trop envie d'un caresse. Ah bah non, mais tu peux pas. Trop mignon. Effectivement, on voit le tunnel encore ici. Juste là. Et là, il y en a un là. Il serait malheureux. Hein. Là, ils ont une maison avec terrasse et tout, quoi. Bah nous, on a là, lui, il a... Ouais, non, mais là, ils ont leur propre maison avec leur propre terrasse. C'est pas rien, quand même. Non, mais il peut passer, regarde, il y a le tunnel, il a raison, Swan. Il y a le tunnel qui est là. Ah ouais. Donc il y a tu peux... Oui, pour arriver de c'est côté. Ça. Comme... Regarde l'autruche. Mais comment ça s'appelle? Où est les lamas? J'en sais rien. On fait... Coco. T'es sûr? Non. J'ai un doute hein, sur le lama. Ah, ils sont là-bas, c'est pour ça que tu me dis ça. Ouais. Attends, je pense pas que ça fasse ce bruit-là. Hein. Caca. Il est beau, hein, en là-bas. Blanc comme ça. Là-bas. Ah ouais. Mais c'est les manchots. C'est les manchots là-bas. Là, c'est la maison. Les manchots. Et ça, si on le ramène à la maison. Ouais, on va tout ramener. Hein. Ouais. Mais en tout cas, les cygnes blancs, là, ils sont super. Hello! 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 Il a envie de dormir. Il est crevé. Il est l'heure de la sieste. Il est debout, tape la pause. Regarde, ils se ramènent tous. Ah ouais. Non, on essaie. T'essaies de faire un dressage? Ouais, d'accord. Ouais. T'as cru que c'était des dauphins? Il a ouvert ça? Voilà, ah ouais, mais ils baillent, hein. Rien à voir avec ton geste. Je crois que j'ai jeté une sardine. Ouais, d'accord. Si tu te fais attaquer, Ilan, t'assumeras les conséquences. Nous, on fait un atelier plume. Minouche nous fait une plume Batman. Moi, j'ai attends, fait ça. Écris l'IS dedans. Ouais, écris. Sohan, Ilan. Comme d'habitude, c'est un artiste, Ilan. Comme un vrai artiste. Ouais, on est... Ouais, signe ton art, surtout, signe ton art. Bonjour, messieurs, dames, et bienvenue à l'animation de nos loutres géantes. Dans le nourrissage d'un très joli perroquet. Je dirais que c'est un ara macao à vie grecque. Alors un peu petit le perroquet, prenez-vous et bien sur la passerelle. Alors et bien pour commencer cette animation, déjà je me dois de vous faire un petit rappel des consignes de sécurité. Donc on s'est posé, Swan a une grosse affection pour l'animatrice juste là. Donc il est avec elle et Ilan refait une plume. On a vu l'animation des perroquets. Je disais, ouais, on a vu l'animation des perroquets et j'ai retiens, à chaque fois je retiens mes lunettes de seuil, il y a un seuil de ouf. Et des loutres. Et on a vu l'animation des jaguars avec des gens qui
braillait un peu parce qu'on a vu qu'on a réussi à voir qu'un seul des bébés, on n'a pas vu la maman ni l'autre bébé, mais d'un autre côté c'est normal, enfin c'est quand tu viens dans un, c'est pas un zoo hein. C'est un parc de, comment dire, de pédagogique, voilà. Donc la maman elle sort si elle a envie de sortir, les bébés sortent si ils ont envie de sortir quoi. Donc voilà, ils font ce qu'ils veulent. Comme quand t'as la maternité, t'as pas forcément envie d'exposer ton bébé. Enfin bref. Donc je vais faire une photo de Son avec sa Daphné là. Il est à fond. Ouais. Maman, je n'ai pas le tigre. Je n'ai pas le tigre. Oui, tu peux. Je mets là. Je mets là. T'es bon, tu le vois là? Là, je vois que ils sont presque. Et maman, elle est. Maman, elle est là. Entre les deux arbres. Avec l'autre bébé. Là, le bébé. Lania, viens voir, tu vas voir mieux ici, là-bas. Oh, trop mignon. Trop mignon. Oh, petit cœur. Oh là là. Et on finit avec les tapirs. Oh là là. C'est bizarre comme bête quand même. Le tapis. Mais. Oui. Il a raison, les amis, quand ils s'échappent quand ils veulent. Mais non, ils s'échappent pas. Donc nous voilà rentrés de Parrot World. Franchement, c'était une super bonne journée. Il est déjà 19h17. Donc on est parti de là-bas, il devait être un petit peu plus de 18h, franchement, vraiment top. On a eu la chance, mais il fallait de la patience, et les gens n'ont pas toujours de la patience. Ils s'imaginent qu'ils vont arriver à Parrot World et qu'ils vont voir les petits bébés jaguars comme ça. Or, comme les gens, enfin la personne qui faisait de l'attitude, la personne qui faisait l'animation expliquait, en fait, elle vient d'avoir des bébés, donc on ne peut pas lui prendre ses bébés comme ça juste pour les montrer. Donc ils sont dans l'enclos avec la maman, il faut juste beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Et avec de la patience, vous pouvez apercevoir donc les deux bébés jaguars qui sont vraiment adorables. Donc Swan a craqué pour une peluche bébé jaguar. Voilà, puisqu'en fait dans les deux jaguars, il y a un... Donc c'est deux petits mâles. Il y a un petit mâle noir tacheté qui s'appelle... Regarde, attendez. J'ai oublié son nom déjà. Akado. Akado, c'est ça. Et le deuxième, c'est Balam, je crois. Ouais, Balam, c'est Balam. C'est ça. Balam et Akado. Ça, là, attends, je vous vérifie de pas vous dire. Le noir, c'est Akado et celui comme son papa, il s'appelle. Donc Balam. Akabo, Akabo, donc le petit noir, et en fait qui veut dire en Maya obscurité, et son petit frère s'appelle donc Balam, qui veut dire jaguar en Maya. Donc voilà. Donc évidemment vous les voyez d'un peu loin, mais ce sont des bébés et et c'est faux de la personne. Oui, donc Swan a eu un gros coup de cœur pour l'une des animatrices du Parrot World qui s'appelle Daphné. Donc il a fait une photo avec Daphné, il a fait des plumes pour le totem et tout. Il y a plein d'animations, franchement c'était vraiment génial. Les perroquets, comme je vous l'avais déjà expliqué la dernière fois qu'on y avait été, sont en totale liberté, donc c'est vraiment très très cool. Il y avait les loutres et tout, franchement c'est vraiment très très bien. Et il y a un grand espace de jeu aussi avec des ponts suspendus, donc vraiment une très très bonne journée. On a pique-niqué sur place. En sortant du parc, on s'est arrêté. Ah, je vous ai pas montré ce que j'ai pris moi. J'ai pris un petit magnète comme ceci en 3D. Le voilà. Petit magnète. Qui voyez voilà en 3D. Tiens, tu peux le mettre sur le frigo qui était à 3€, je crois, quelque chose. Tu le mets sur le frigo ou sur le four? Comme tu veux. Donc je vous disais, en sortant de Parrot World, juste à côté il y a un centre accord. C'est un moment où je voulais aller dans un centre accord, donc c'était l'occasion. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Malgré tout, j'ai repris un étendoir à linge, vous savez, qui s'ouvre donc qui est plat comme ça et qui s'ouvre avec deux ouvertures comme ceci, parce que j'en avais un mais Diego l'a moitié bouffé, et comme il avait pris l'eau et tout. On l'a utilisé pour barricader la fin du jardin, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Même si je pense que j'étendrai plutôt le linge là-haut sur la terrasse pour éviter que les chiens, que ce soit June ou Diego, me trimballent le linge partout dans le jardin. Donc je vais le mettre sur la terrasse, mais c'est le genre d'étendoir à linge hyper pratique. Je crois que ça s'appelle papillon, je suis pas sûre. Mais je vous le montrerai sur la terrasse, pas de soucis.
J'ai pris une bougie comme ceci, 7 ans, qu'on emmènera en vacances, puisque Swan cet été fêtera 7 ans. Et moi, en fait, vous savez, c'est une bougie qui fait des étincelles. Donc on s'est dit pour le gâteau, ça serait cool. Et moi, j'ai trouvé pour maman un nouveau pèse. Ouais, et Swan m'a trouvé un nouveau pèse, voilà, donc plutôt cool. J'ai trouvé des hamburgers. Ouais, des petits hamburgers. J'ai pris des bonbons hamburgers. Et j'ai trouvé cette huile de la marque Natural Honey, huile and go, donc en fait vous mettez sur votre corps, et pour de la marque Revlon. Pourquoi je vous ai dit Natural Honey, mais c'est de la marque Revlon, et ça sent mais trop bon la noix de coco. J'adore, je déteste la noix de coco. Moi j'adore la noix de coco. Non mais t'aimes pas le fruit, mais l'odeur, non? Même l'odeur t'aimes pas? Non. Non, l'odeur ça va, mais le fruit, voilà. Donc j'étais trop contente de tomber là-dessus. Ça fera de l'hydratation. Sinon, je vous disais que je voulais vous montrer des baskets que j'avais commandées. Alors, Yes m'a glissé, donc il a repris sur Amazon deux... si c'est sur Amazon que tu les as repris, les deux mousses auto-bronzantes. Comment? Les deux mousses auto-bronzantes, c'est sur Amazon que tu les as prises. Donc sur Amazon, il a repris deux mousses comme si... 8,87€ chaque. Comme je vous l'ai dit, elles sont vraiment, 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 vraiment top. Ça fait un teint vraiment très allé, très sympa. Ça prépare à l'été. Moi, je vais en commencer à en mettre maintenant partout sur mon corps, notamment mes jambes qui sont très, très blanches. Vraiment top. Donc, du coup, il en a pris deux, puisque, comme je vous l'avais dit, il utilise aussi. Et donc, moi, sur le site de Zalando, je me suis appris une paire de baskets. Donc, je vous avais montré que j'avais pris des baskets fait clochette Bershka. Et en fait, Zalando, je pense que c'est des Bershka aussi, hein. Je vais vérifier. Mais je pense que c'est des Bershka aussi. Et Zalando proposait un autre modèle, pareil, à 23€ au lieu de 40. Donc le même prix que la fée clochette. Et franchement, elles sont canon. Donc elles se présentent comme ceci. Donc là, vous avez, Pocahontas, n'importe quoi, Jasmine et... Non ? Réponse ? Réponse, ouais. Moi aussi, tu m'as fait les doutes du coup. Et Belle et Blanche. Neige. Blanche-Neige, ouais. Donc elles sont vraiment trop trop belles. Voilà, des princesses sur chaque côté. Et sur le chaque chaussure, vous avez des petites espèces de petites pampilles. Comme ça, vous avez une pomme. L'espèce de truc dans Réponse, là, vous savez qu'il y a au plafond. Et ça, c'est quoi? Une rose. Une rose, je dirais. Ouais, c'est une rose. Voilà. Hop. Et sur celle-ci, vous avez donc pareil, la petite étoile de Réponse. Vous avez le petit Pascal aussi. Et vous avez le scarabée pour représenter Jasmine. Franchement, je les trouve trop trop belles. Donc ce sont exactement comme je vous disais, la fée clochette. Et est-ce qu'elle vient de chez Bershka à la base? Ouais. Non, t'as fait une maison. Non. Ce sont des. Ce sont des Bershka. Donc voilà, je suis trop contente. Vraiment. Et pareil en promo, comme je vous disais, à 23€. Donc sur le site de Zalando, au lieu de. Je crois que c'était 40, normalement 39€. Je crois que c'est. Non, c'était une quarantaine d'euros ces baskets-là. Bon, bref. En tout cas, elles sont à 23€. Et voilà, j'étais trop contente. Donc je vais pouvoir les porter. Donc Swan va vous montrer un. Jouet que Lias a trouvé. Lias a trouvé un jouet, donc c'est un. Une cabine Star Tour. Ouais, une cabine Star Tour. C'est pas un vaisseau Star Tour, c'est juste une cabine. C'est une cabine Star Tour. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Parce que nous allons sortir Diego et June, on va manger. Ensuite, Lias va regarder un match de foot. Et demain matin, donc c'est la. Enfin, demain, c'est la fête des mamans. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer. Swan. Tu peux aller dans ma chambre et me ramener le sac qui est sur mon radiateur, s'il te plaît. Okay. Je vais vous montrer le sac que je vais offrir donc, pour la fête des mamans demain à ma mère, puisque je pense que je vais essayer de filmer. Maman, mais au cas où j'y arrive pas, comme ça vous l'aurez vu. Tu crois que tu pourras te monter pour que je monte mes cadeaux de la fête des mères? Ben, je les montrerai demain, tes cadeaux de la fête des mères. Bah, ouais. Bah oui. Et donc je sais pas si j'aurai le temps de filmer ou pas. Donc je me dis comme ça moi je vous l'aurai montré. Parce qu'on est très content de notre trouvaille. C'est Lies qui l'a repéré dans un magasin. J'ai envoyé un message donc, à deux de mes petites soeurs avec lesquelles on a la même maman. Donc en l'occurrence la mienne, enfin la nôtre. Et on a participé toutes les trois pour lui faire ça. Donc Swan est parti chercher ça. Lies tente de faire manger les chiens chacun de leur côté. Et autant vous dire que c'est une bérésina. Donc sinon je suis passée chez au Disney Village. Donc chez Pandora. Donc Kishan en a pris un pour demain. Lies en a pris un pour demain. Donc surprise, mais moi j'en ai pris deux. Personnellement, donc j'en ai pris un pour Kisha.
Est-ce que c'est celui-là? Oui. Donc c'est celui-ci en fait. Je lui ai offert donc Edna des Indestructibles. Je vous l'ai déjà dit, Kisha est une grande grande fan des Indestructibles. Et ils ont sorti plein de charmes Pixar en fait. Et donc je lui ai pris... Ouais, attends. Et je lui ai pris donc, comme je disais, Edna. Donc voilà, donc, je vais pouvoir enfin lui donner ce que je lui avais dit, bah, je te le donne dès que je l'ai filmé. Et franchement, il est super chouette. Donc normalement, ce charme est à 49€. Et donc j'ai pu profiter de sa réduction pour lui offrir. Et moi, je me suis pris Mademoiselle Joie, donc dans le dessin animé Vice Versa. Voilà, que j'aime beaucoup. Et la petite boule qu'elle a entre les mains juste ici est phosphorescente. Donc voilà, donc très sympa, il est très très beau aussi. Et pareil, c'est un charme qui est à 49€. Et grâce à Kisha, j'ai pu avoir 25% de réduction, ce qui n'est clairement pas négligeable sur la gamme. Hey, hey, June, mange pas mon sac. Sur la marque Pandora. Donc je vais finir avec le cadeau de la fête des mamans. Regarde bien ce qu'il fait. Ah, il est en sous-sol. Le truc Star Wars, c'est la friction. On regarde, voilà, donc fait comme ça et après j'en rentre comme ça. Est-ce vraiment nécessaire? Donc je vous disais, pour la fête des mamans en fait, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, je sais plus laquelle, enfin bref, on avait fêté l'anniversaire, merci mon cœur. L'anniversaire de ma maman, et ma maman est une grande grande fan de Letty. On va chez... C'était chez Zing. T'as vu là en sous-sol? Ouais. On va chez Zing. Et elle me dit, t'as vu en vitrine, il y a un Launchfly E.T. Donc il était à 75€, donc je me suis dit que mes sœurs, c'est tout à fait jouable. Donc j'ai envoyé une photo à deux de mes sœurs, enfin pas bah, les deux avec lesquelles on a la même maman, on me répète, c'est un truc de ouf. Et donc on lui a pris, et donc la petite particularité de ce sac, et on l'a vu du coup puisqu'il était dans notre chambre, toute cette partie là est phosphorescente, et le doigt ici de E.T. est phosphorescent. Il est juste trop trop beau. Je vais vous le déballer un peu parce qu'ils sont en train de se battre encore pour bien jouer. Je vais vous le déballer un peu parce que de toute façon il faut que je fasse un bel emballage cadeau quand même. Oui. Combien de quoi? Deux sœurs, Julie, Mel, Alice, Muriel. Et Karine, 5. Il me dit, il me manque une. Il me manquait une sœur. Bon, bref. Il ouais, y en a une qu'on voit pas trop. Ouais, enfin, bref. On parlera de ça plus tard. C'est pas le but. Le truc, voilà, c'est mon sac. Voilà, on est venu dans le spectacle pour pas parler de ça. Mais en fait, moi, ça va. Bon, allez, Romane Frécinet, pour ceux qui connaissent. June, si tu manges mon étendoir à linge. Non mais on va le mettre sur la terrasse. Bon, je vais finir avec mon sac Launchfly. Donc c'est E.T. avec la plante comme ceci. Vous voyez, un petit peu en mode 3D, avec une petite poche devant comme ceci. Comme je vous disais, le doigt E.T. de la fin de maison, il s'allume. Toute cette partie là est phosphorescente. Derrière en fait, I'll be right here, avec comme ceci. Je vais pas trop le... Bon, je vais en mettre après. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique, je pense qu'elle va, elle va être très émue. Et en plus, bah, c'est un Launchfly, donc ouais. Pas n'importe quoi comme ça quand même. Ouais, Marnie, si tu passes par là, hein, pas n'importe quoi comme ça, je te le dis moi. Donc voilà, donc très très beau. Il y a deux petites poches sur les côtés, moi j'aime bien ces Launchfly, il y a deux petites poches sur les côtés. Ici donc vous avez floqué E.T. Launchfly, voilà, et il est trop beau. Franchement il est trop beau, je suis très contente de cet achat. Je suis très contente que Yes l'ait vu en vitrine parce que franchement je suis pas sûre que je l'aurais vu. Ouais, si June l'attrape, elle va lui faire sa fête. Voilà, donc je suis trop contente, je le trouve magnifique. Et donc on l'a trouvé, comme je vous disais, donc chez Zing. Sinon aujourd'hui j'ai reçu une commande Shein, mais je pense que je me demande si je vais pas vous tourner un haul à part Shein. Où j'ai essayé certains vêtements, donc peut-être pas tout, notamment les maillots de bain, je pense pas que je les essaye en vidéo, mais les hauts et tout, pourquoi pas. Ah oui, Daphné, en fait, il a été récupéré un coloriage comme ceci, flamant. Donc je vous disais, voilà, Daphné. Donc je vous disais en fait que j'ai reçu une commande Shein, et encore aujourd'hui, donc c'était des shorts que j'avais commandé, parce que la première fois je vous avais dit, je pensais avoir commandé des shorts et j'avais commandé des salopettes, donc c'est pas grave, c'est pas perdu, mais j'avais commandé des salopettes. Et j'avais commandé quoi? Un débardeur, c'est ça? Ouais, ça peut être ça. Et là j'ai reçu des shorts et des t-shirts. Non, bon bref. Non, des hauts et des shorts. Et j'avais reçu une autre commande aussi, donc il n'y a qu'en deux parties. Donc j'avais déjà reçu un jean et un t-shirt. Et il y a la fin qui va arriver avec d'autres jeans et t-shirts, je crois.
Bref, donc je pense que je vais vous faire un haul Shein, parce que quand même pas mal de pièces. Les pièces que je me sentirais à l'aise de vous filmer, je le ferai. Enfin, c'est même pas à l'aise, c'est... il faudrait que j'ai le trépied surtout. Ouais, il faudrait surtout que j'ai le trépied. Mais en tout cas, je vais essayer de vous montrer le jean déjà. Alors attendez, je laisse passer Minouche, vas-y passe Minouche. Tourne, tourne. Ah, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Hein. Ouais, vous avez rien mordu, qu'est-ce que c'est à faire? Minouche, tu peux attraper l'appareil photo? En fait, ouais, toujours claque ton style avec ton... Ah voilà, parfait, bouge plus. Swan, décale-toi vers la droite. Donc, je vous disais, donc, c'est un jean comme ça, quand même assez, assez taille haute, donc très sympa. J'ai pris une taille L, il a glissé un petit peu au long de la journée, donc je montre un peu. Il a glissé un petit peu au long de la journée, mais je pense que comme c'est une matière, vous savez, très élastique, une petite ceinture, c'est pas du luxe. Mais sinon, la matière élastane est plutôt cool, parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pris pas mal au niveau des hanches, du popotin et tout. Voilà, je vous en ai parlé vite fait lors d'un live Instagram, en fait, où je vous ai parlé d'un problème de thyroïde, mais je pense que je vous en parlerai plus en détail plus tard, on s'en fout, c'est pas le problème aujourd'hui. Avec des petites... excusez-moi. En plus, je fais des allergies. Avec des petites parties scratchées ici, mais vous voyez, c'est pas transparent. Scratché ici, vraiment, il est super sympa. Et je vous dis le côté élastane. Merci, Minouche. Il faudrait vraiment que si je vous tourne un haul Shein, que je prenne vraiment le temps de descendre le trépied, que je reprenne un anti-allergique. Voilà, donc comme je vous l'avais expliqué vite fait sur un vlog, non pas un vlog, un live Instagram, et vous avez été quelques-unes à me dire ce serait cool d'en parler un petit peu plus en vidéo, donc je vais le faire. Mais effectivement, j'ai eu un dérèglement hormonal qu'on a découvert il y a un an et demi, suite à la thyroïde, donc j'ai une hypothyroïdie. Et je n'ai pas de traitement puisque entre guillemets la plus-value du traitement pour l'instant ce serait pas intéressant pour ma santé. Le seul, on va dire, effet nocif, enfin pas nocif mais pas bon, je sais pas comment dire ça. Comment on dit ça, les seuls effets que j'ai, on va dire, c'est beaucoup de fatigue. Donc là j'ai une cure de plusieurs gélules, vitamines et compagnie. Et prise de poids. Donc pendant un an, là je me suis stabilisée, mais effectivement au cours d'une année j'ai pris quand même pas mal de poids, j'ai une bonne dizaine de kilos. Après, comme je vous l'ai dit lors du live, il n'y a pas mort d'homme. Je préfère ça plutôt que d'avoir le traitement, puisqu'on avait, on en avait discuté avec Elias, Elias était carrément contre, parce qu'il y avait beaucoup de débats sur Ouais, il a un nom imprononçable, le bordel. Et même mon médecin, en fait, j'ai une prise de sang tous les 6 mois et une échographie tous les 6 mois. Voilà, ce qui l'inquiétait le plus, c'était des nodules. Certains, c'est sûr, c'est des kystes, d'autres à surveiller, mais pour l'instant tout va bien, donc pas d'inquiétude. Et au niveau de la prise de sang, donc pour la TSH, si je ne me trompe pas, les taux sont bons. Donc vraiment, la plus-value de prendre ce médicament n'a aucun sens, hormis peut-être être peut-être plus tard plus malade. Donc voilà, donc c'est pas très grave, mais du coup, j'ai dû renouveler un petit peu ma garde-robe. T'as oublié de montrer mon chat ? Ton chat ? Oui. Ah oui, ton chat. Donc j'ai dû renouveler un petit peu ma garde-robe et voilà, je me suis penchée un petit peu sur Shein, en tout cas pour cet été, cet hiver, on verra bien. Et voilà, je suis plutôt contente, donc je me tourne vers une taille L sur Shein. Et pas de coup que je parle trop, tout me va. J'ai essayé les shorts, j'assume pas forcément les shorts, mais ça je vous l'avais déjà dit, moi je les trouve toujours un peu courts et tout. Lies me dit que ça va, donc après je me dis de toute façon, ça va penser avec moi, donc s'il me dit ça va, ça va. C'est pour ça que je sais pas si je vous les filmerai, mais je pense que si, parce que... c'est pas trop court, ça va. Donc j'ai pris des shorts et pareil, vous savez, avec de l'élastane dedans, ce qui fait qu'en fait vous n'êtes pas compressé dedans, vous n'êtes pas serré, donc voilà. Bref, je vais arrêter de parler. Je vais arrêter de parler pendant que les garçons sont en train de colorier le flamant rose. Et on se retrouvera peut-être tout à l'heure ou demain, donc pour la fête des mamans. Donc voilà, dimanche j'ai fait la fête des mamans. Donc ce matin j'ai été réveillée par Swan tout d'abord, qui m'a offert ses cadeaux. J'ai eu des petits pains au chocolat, un smoothie. Ensuite il y a Ilan qui est venu m'offrir un cadeau. Et pour finir, Kisha. Ensuite on a fait barbecue. Elle t'a donné quoi, Kisha? Je vais te montrer, t'as pas vu? Ensuite on a fait barbecue vers 13h. Cet après-midi on a fait des puzzles avec Swan, donc je vais vous montrer. J'ai été très gâtée pour la fête des mamans, je suis ravie. Swan, nous t'écoutons. Quoi? Bah, tu sais pas, tu voulais montrer. D'abord, j'ai fait ça. Donc, c'est une fleur. Au centre, il y a marqué Maman, tu es. Je peux la rapprocher?
maman tu es. Tu peux leur montrer. Et c'est lui qui a choisi les mots. Donc maman tu es la plus belle. Tu es gentille. Tu es une super maman. Une quoi? Une super maman. Oh là là, j'ai un chat dans la gorge. Drôle. Drôle. Ça va bien faire ça. Spécial. Oh là là. Intelligente. Intelligente. C'est pas. J'avais, parce que j'avais. Et la plus belle. J'avais écrit. Quoi donc? J'avais écrit pas au bon endroit pour écrire tout. Donc, ah. Donc j'ai dû. Excusez-moi. Sur côté. Et le deuxième cadeau, il est magnifique. Ouais. Et le deuxième cadeau, c'est un petit arrosoir comme ceci. Avec une plante, qui est une vraie plante, hein, avec des petites fleurs comme ceci. Donc, quand il l'a ramené vendredi, il m'a dit qu'à la base, il n'y avait qu'une seule fleur. Donc, ça veut dire... Il l'a caché, en fait. Et donc, du coup, en un peu plus de 24 heures, il y a eu deux nouvelles fleurs qui sont... poussées. Qui ont poussé. Donc, voilà. Donc, très, très chouette. Donc, j'étais ravie. Excusez-moi, je pleure, mais je fais des allergies en ce moment. Et ça me fait tousser, j'ai l'impression d'avoir un chat dans la gorge en permanence. Et je sais que Yes, il a offert ça. Ensuite. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est Yes. Ça, c'est Yes avec Ilan, en fait. Ils ont choisi de m'offrir un Pandora et pas n'importe lequel, puisqu'ils ont choisi de m'offrir Wally. Donc, je suis trop contente. Il est vraiment trop, trop beau. S'il veut bien faire le focus, lui. Il est magnifique. Franchement, il est super beau. C'est un très, très joli choix. Je suis ravie, donc je vous montre maintenant, comme ça je vais pouvoir l'installer sur mon bracelet tout de suite après. Puisqu'en ce moment j'ai pas changé de bracelet, j'ai le bracelet avec un petit peu de tout. Voilà, c'est pas un univers dédié. Puisque j'ai par exemple un Lao, j'en ai qu'un seul, Mulan, j'en ai qu'un seul, donc voilà. Donc du coup, Wally, donc de la part de Ilan. C'est normal qu'il soit vide, Ilan et Lies. Celle-ci est vide puisque c'est celui où il y avait... toi aussi tu t'en... Il y avait... oh mince, comment ça s'appelle? Enna, que j'ai offert à Kisha. Ça c'est Joie, que je vous ai déjà montré, donc pareil je vais l'installer sur mon bracelet. Et Kisha a décidé de m'offrir Dory. Donc j'étais trop contente. Pareil, il faisait partie de ma wishlist. Et effectivement... attends. On voit pas trop, hein. Ouais, bah est-ce qu'il focus sur ta tête là. Hop là. Hop, voilà, donc c'est Dory comme ceci. Il est trop trop beau et effectivement j'ai une mémoire de 4 secondes et demie. Donc ça tombe très très, ça tombe très très bien, je suis ravie. Il est trop trop beau et sa petite queue semble un peu amovible d'ailleurs. Ouais, maintenant, sa petite queue, après, on va aller chez Marnie. Ouais, on se tombe aller chez Marnie. Manon. Je pense oui. Manon. Donc voilà, donc je suis ravie, j'ai été gâtée. Voilà, je suis trop trop contente. Je vais pouvoir installer ces Pandora sur ce bracelet. Tu préfères lequel cadeau? Je les aime tous, mon cœur. Non, mais tu préfères lequel? Je les aime tous. Et donc Mulan, par exemple, donc, quand je vous disais Marie Poppy, j'en ai qu'un seul. Les 30 ans, j'en ai deux. Il est là. Tu l'as pas vu, celui-là? Les 30 ans, j'en ai deux, mais vous voyez, c'est vraiment. Il y a un peu tout, quoi. Il y a celui de la fête des mamans de l'année dernière. Il y a un Noël. Il y a quoi d'autre? Marie Poppins, il y a la belle clochard, donc vous voyez, c'est un bracelet un peu de tout. Donc oh, les Pixar là-haut. Vont aller. C'est Hélène qui l'a offert. Ouais, je crois. Donc les Pixar vont aller sur ce bracelet-là. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. Donc on se retrouve du coup chez ma maman. Donc pour lui offrir son cadeau de la fête des mamans. Et ensuite ce soir en rentrant, je pense que je prendrai 5 minutes pour vous parler d'un produit, mais je voulais mettre en fin de vidéo parce que enfin mes vidéos sont, je mets que c'est pas pour les enfants, c'est pas un truc bizarre, hein, je vous rassure. Mais c'est un produit, voilà, pourquoi je préfère vous parler en fin de vidéo, qui peut faire polémique. Maman, donc pourquoi Yes il t'a offert un cadeau alors que c'est pas ta maman? Ben non, mais c'est pour participer avec Ilan. Il savait que voilà, Ilan il partait sur Pandora et apparemment, je sais pas, ils ont décidé ensemble que Wally ce serait une bonne idée. Après, je sais pas, moi je suis pas dans les secrets de tout le monde. Je ne suis pas dans les secrets de tout le monde. Donc, c'est enfin, pas qu'il va faire polémique, mais c'est un produit à base de CBD. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère vous le mettre en fin de vidéo, comme ça, si ça vous intéresse pas, vous couperez juste après qu'on ait offert le cadeau de ma maman. Et sinon je vous parlerai de ce produit que j'ai reçu en toute honnêteté en partenariat et dont je suis très contente puisque je suis en horaire décalé et trouver le sommeil, on va dire, de façon assez naturelle, c'est pas toujours évident. Et je suis pas toujours, je suis souvent très déréglée. Les matinées, comme je vous l'ai dit, c'est l'enfer, mais d'un autre côté j'arrive pas à m'endormir le soir. Donc j'ai trouvé cette petite alternative. J'en avais déjà testé un quand j'allais chez mon
mon magasin en fait, attention Swan, quand j'allais chez dans mon magasin pour mes liquides en fait, pour ma cigarette électronique et celle de l'IS, et en fait un jour il nous a fait tester ça et j'avais trouvé ça cool, et là j'avais l'opportunité d'en tester un autre d'une autre marque, donc je me suis dit pourquoi pas, et comme ça je pourrais vous comparer les deux sans problème. Donc voilà, donc on se retrouve chez ma maman et ensuite je me pose soit ce soir, soit demain ou plus tard pour vous parler de ce fameux produit. Tiens, ah, bonne fête. Attention, mesdames et messieurs. Oh là là, c'est quoi ça? C'est mon cadeau de la fête des mamans? Ouais, de la part de Mélanie, Jou-Louis et moi-même. À trois. Ouais, c'est pas... Stanley, pardon, merci. Il y a un patron qui est devenu petit. Oh non. Ouh, si. J'ai pris juste l'appareil photo pour ça. Oh, et le petit truc sympa, c'est que cette partie-là dans la nuit et le petit doigt, ils sont phosphorescents. Manon, t'as vu j'ai oublié de mettre ça dedans. Oh là là, mon personnage préféré. Je suis pas sûr que j'assume ton. Tiens, Adrien. Merci, les filles. Nana Marne. Oh, et toi, de l'autre côté, montre-le, je fais une photo. Oh là là, et ça, c'est qui alors? Bah, c'est nous trois aussi, mais on n'était pas au courant, donc on n'assume pas forcément. On se méfie, Jou-Louis et moi. De secours cuisine. Mais Annie, il faut vraiment que tu fasses. Oh là là, vous avez. Non, mais. Oh, là là. Oh merci les filles, hein. Vous avez été trop fort. Hein. Oh là. Ah bah, il en tombe à l'envers, ça, dis donc. Calme-toi, Adrien, ça va bien se passer. Alors là, ce sapin, il va me rester jusqu'à la fin de mes jours, hein, ça c'est sûr. Non, non, t'as vu? Tout le monde connaît le. Oh là là, il pille. Oh non. Alors, je vais terminer ma vidéo avec un produit particulier, dans le sens où c'est une huile en fait de CBD de la marque Grineo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, l'huile de CBD, je pense que vous savez ce que c'est. L'huile de CBD n'a absolument pas de... Comment s'appelle la molécule THC? Il n'y a pas d'effet du tout... drogue, c'est ça dedans. C'est vraiment le côté apaisant, mais absolument pas le côté. On parle pas du tout de produits illégaux. Hein. On parle vraiment de produits légaux. En sachant que l'huile de CBD, vous pouvez la retrouver aussi dans certains produits de beauté, dans certains aliments, dans certaines crèmes. Enfin voilà. Donc c'est tout à fait légal, hein, ce dont je vous parle. Donc j'ai pu le tester grâce à la plateforme Ivancy et je vous avoue que ça m'intriguait puisque j'ai déjà eu l'occasion d'en tester une fois en allant en fait chez la personne en fait où on achète nos produits, donc pour nos liquides, nos e-liquides pour remplir nos cigarettes électroniques, et on a eu l'occasion de pouvoir en tester. Et là ce qui m'intriguait, c'était le tarif que je trouvais bas en fait par rapport au pourcentage en fait, puisqu'on est à 30%. Que je trouvais assez bas et du coup ça m'intriguait, je voulais tester. Donc il faut savoir que la marque Grineo est une marque 100% française, donc c'est plutôt cool. Et effectivement, il spécifie bien. Donc nous avons lancé en avril dernier l'opération CBD pour tous, du CBD au juste prix afin d'en faciliter l'accès à tous. Notre huile Full Spectrum 30% coûte aujourd'hui 29,90€. Alors que les articles similaires coûtent entre 70 et 130 euros sur le net. Et je vous confirme, c'est clairement pas donné. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi cette huile? En fait, moi personnellement, j'utilise le soir. En fait, c'est un système de pipette. Voilà, vous avez un système de pipette comme ceci. Et en fait, c'est vraiment de l'huile. Donc moi, comment j'utilise? En fait, je le mets sous ma langue en fait et j'en mets 3-4 gouttes et ça me permet en fait de m'endormir plus rapidement et d'être apaisée en fait. C'est pour ça que je l'utilise, puisque comme vous le savez, l'ISM, mon travail en horaire décalé, donc parfois il va falloir qu'on se couche tôt pour se lever tôt et 2 jours après c'est l'inverse, on va se coucher tard pour se lever plus tard. Donc au bout d'un moment, l'organisme il comprend plus rien du tout, et donc quand on est de matinée, des fois on a un mal fou à s'endormir le soir, et en plus j'ai un problème thyroïdien qui fait que je suis souvent déjà fatiguée, et ça n'arrange pas le fait que vous vous endormiez tard pour vous lever tôt, forcément ça marche pas. Et je trouve cette huile très 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 efficace, donc j'en suis vraiment très très contente.
Donc il précise bien que l'huile full spectrum est particulièrement riche en CBG qui, comme le CBD, est une molécule non enivrante. Donc c'est, vous êtes absolument pas, vous pouvez prendre sans aucun problème, vous n'allez pas finir voilà, comme Bob Marley, tout va bien, je vous rassure. Et donc permet ainsi d'offrir de nombreuses sources d'apaisement, et ça je suis entièrement d'accord. Donc il y a plein d'arômes et de parfums différents. Celle-ci effectivement, comme je vous le disais sur Instagram, parce que j'ai fait un petit live il n'y a pas longtemps où je vous en ai parlé, effectivement elle a le goût, j'ai déjà senti l'odeur de l'herbe, et effectivement elle a ce goût particulier de l'herbe, mais pour autant, je reprécise, elle n'a absolument pas le côté enivrant, mais le goût peut être éventuellement dérangeant. Moi c'est pas le cas, parce que comme je vous dis, je mets 3-4 gouttes, et si vraiment ça s'absorbe très très vite, c'est de l'huile, hein. Et quand vous le mettez sous la langue, même quand vous prenez un médicament, c'est vrai que sous la langue ça va prendre directement dans le... je sais pas comment dire ça, c'est mon médecin qui m'avait conseillé ça à l'époque. Et effectivement, ça pénètre très très vite en fait dans le corps, et du coup vous avez les effets immédiats. Mais au pire des cas, vous prenez un petit verre d'eau après, enfin quelques gouttes d'eau après, et ça passe très très bien. Il y a l'une d'entre vous sur Instagram qui m'a posé la question, est-ce que vous pouvez la prendre en tisane? Vous pouvez parfaitement. Moi je ne le fais pas, puisque je vais très très souvent aux toilettes, donc pour uriner, et je me dis que si je mets si je bois une tisane avant de m'endormir, ça risque d'être la catastrophe pour moi. Donc je suis vraiment très contente de ce produit là. Donc ils disent, pour commencer, l'idéal c'est un quart de pipette pour commencer, et ensuite vous pouvez augmenter légèrement si nécessaire. Moi comme je vous dis, ça doit être ça, à peu près un quart de pipette que j'utilise depuis que je l'ai reçu. Il m'en reste, on va dire, à peu près la moitié, et j'en suis vraiment très très contente. Donc sur les soirées en général je ne le prends pas spécialement, mais par contre les veilles de matinée je le prends de façon à être apaisée, en sachant qu'il m'est arrivé d'avoir des moments un petit peu compliqués comme tout le monde, et j'ai un traitement depuis un petit moment, et je voudrais clairement m'en débarrasser, puisqu'au bout d'un moment ça devient pénible, et je trouve que ça aide à ne pas prendre des médicaments. Voilà, je tente. Si ça fonctionne, je ne prends pas le médicament. Et si ça ne fonctionne pas, bien sûr, je prends le médicament que le médecin m'a prescrit. Puisque effectivement, le but, c'est de progressivement s'en débarrasser. Et vous l'aurez compris, je vous parle d'antidépresseurs et anxiolytiques. Voilà, j'ai eu des moments très très compliqués dans ma vie. Et même si aujourd'hui ça va beaucoup beaucoup mieux, le cerveau, lui, il efface pas tout en fait. Et des fois, il y a des souvenirs qui peuvent revenir. Et j'ai remarqué que quand je mets quelques gouttes sous ma langue, et ben 9 fois sur 10 ça passe en fait. Mon cerveau, il doit penser que je lui donne l'anxiolytique, alors que pas du tout. Je lui donne ça et il prend ça pour un moment de détente, et il l'accepte, et c'est très bien comme ça. Donc c'est vrai que j'en consomme beaucoup moins, même si je suis limitée, hein, je suis pas j'ai une ordonnance, je suis limitée par jour. Mais le but, comme mon médecin m'a dit, c'est petit à petit les casser en deux, puis s'en débarrasser tout doucement, mais sûrement. Donc voilà, donc j'en suis vraiment très 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 contente. Donc je vous rappelle que donc le prix est très intéressant, puisque c'est au niveau, en fait ce qu'il faut regarder c'est le pourcentage. Et comme je vous le disais, en fait sur internet vous allez pouvoir en trouver. Alors déjà, je vous déconseille si c'est pas français, puisque du coup niveau composition, méfiez-vous. C'est de la marque Greeneo, et donc 30%, et pour le prix ça vaut vraiment vraiment le coup. Et comme je vous dis, j'en suis vraiment très très contente. C'est pour ça que je vous en parle, sinon clairement je vous en aurais pas parlé. Puisque vous voyez, j'ai même 3 jours de retard pour publier, je vais vous montrer. J'ai 3 jours de retard pour publier, vous voyez. Donc comme quoi j'étais vraiment au bout de mon test. Je préfère être en retard, comment dire, quitte à perdre un crédit, puisqu'en fait sur les sites de partenariat comme ça, vous avez un système de crédit. Et si vous ne publiez pas en temps et en heure, vous risquez en fait de perdre votre crédit. Je préfère moi toujours... risquer de perdre le crédit, mais pas vous raconter de bêtises. Donc je vais vraiment au moins, enfin sur ce type de produit, vraiment je veux aller au bout du test. Donc j'en suis vraiment très très contente. Donc voilà, donc comme je vous le disais, ils me disent quoi, fabrication française, une recette simple du CBD full spectrum mélangé à une huile MCT bio, et l'huile MCT est un produit sûr employé dans la sphère médicale. Donc voilà, donc je suis super contente d'avoir pu tout tester ce produit là. Ils disent qu'en tant qu'aliment, elle est prescrite pour le traitement de... Donc la MCT, en fait, elle est prescrite en fait dans les cas d'épilepsie et de déficience à
métaboliser, c'est compliqué à dire, les acides gras à chaîne longue. Donc voilà, en tout cas moi comme je vous le dis, personnellement c'est vraiment pour le côté apaisement et ça fonctionne. Donc je vais continuer, je pense que je vous en reparlerai dans mes produits terminés, le bilan par rapport au traitement que j'ai et par rapport au fait d'utiliser ce produit là, la plus-value. Et clairement si ça fonctionne bien, ça me permet de ne plus, ou en tout cas de limiter au minimum la prise de certains médicaments, très clairement je rachèterai sans aucune hésitation, puisque c'est beaucoup beaucoup moins nocif au bout d'un moment, faut être clair, hein, il n'y a pas de honte à se faire traiter, il n'y a pas de honte à être aidé, à prendre des médicaments, à prendre des traitements, mais au bout d'un moment bah, il faut passer ce cap de s'en débarrasser, et c'est très 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 compliqué puisque le cerveau a cette habitude en fait, et c'est très compliqué de s'en débarrasser. Même si j'ai énormément progressé, franchement je vais être honnête avec vous, j'avais déjà énormément progressé voilà, au cours des deux dernières années je dirais à peu près. Ouais, le confinement m'avait déjà beaucoup aidé parce que j'étais qu'avec l'IS, donc j'étais vraiment dans une bulle de protection, donc ça m'avait fait vraiment déjà beaucoup de bien. Et c'est vrai que ce produit là m'aide aussi, j'ai déjà pris des fois au cours de la journée 2-3 gouttes sous la langue histoire de voir, et ça passait, et j'étais contente de ne pas avoir à prendre d'autres médicaments, donc je suis plutôt contente. Et j'ai un code promo en plus, on va vous partager, donc je suis plutôt contente de pouvoir vous partager. Donc c'est 20% de réduction en fait, donc c'est pas rien, 20% quand même de nos jours, donc sur le site de cbd-grineo.com. mais bien sûr je vous mets tout ça en barre d'infos. Et le code c'est Alliance, A2LIANCE. Voilà, donc c'est un produit un petit peu particulier que je vous partage sur ma chaîne. J'ai pas l'habitude de partager ce type de produit. Si j'ai voulu le tester, c'est pour une très bonne raison que je viens de vous expliquer. J'avais déjà testé, comme je vous dis, l'autre. Il avait été sympa, mais je l'avais pas trouvé extraordinaire. Et effectivement, quand j'ai regardé de plus près la concentration, je me suis rendu compte que c'était ça la grosse différence. C'est que l'autre, au niveau concentration, on était quand même sur une concentration très très faible. Et forcément, il aurait peut-être fallu que je mette beaucoup plus de gouttes. Mais ça n'a pas d'intérêt si vous tuez la moitié de votre flacon en une semaine. Ça n'a pas d'intérêt. Alors que là, je vous dis, ça fait au moins... ouais, ça fait un bon mois que j'utilise, quoi. Et 3-4 gouttes à chaque fois, notamment quand je suis de soirée ou quand j'ai une petite sensation d'angoisse qui monte. Parce que le problème, c'est que quand j'ai des angoisses, que l'IS est là, ça va. Parce que je vais lui parler, il va me parler, je vais passer à autre chose. Et quand il n'est pas là, c'est la catastrophe. Donc voilà. Donc après, il faut du temps. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, donc il n'y a pas de honte à vous faire traiter. Encore une fois, ce n'est pas... Je suis pas en train de vous dire que c'est un compromis si vous avez des problèmes de dépression ou d'anxiété, de prendre ça. Pas du tout. Si vous avez des problèmes de dépression ou d'anxiété, il faut consulter un médecin, il n'y a pas de honte à vous faire aider. Voilà, il existe des médicaments sur le marché qui vous aident à maintenir un équilibre, puis ensuite à aller de mieux en mieux, puis effectivement à vous d'en se débarrasser. Le problème, c'est qu'effectivement ce passage est difficile, et je dis juste que cette huile peut vous aider à faciliter le passage en fait, de vous débarrasser des médicaments, puisque vous allez mieux, vous êtes bien, ce qui est mon cas. Donc clairement mon cerveau il me réclame parce qu'il, pour lui il a l'habitude en fait. Donc alors que clairement je pense que 9 fois sur 10 je n'en ai pas besoin. C'est ça que je vous dis, donc attention, je remets bien les choses dans leur contexte. Et je vous dis que si vous n'avez aucun problème, pour autant vous êtes bien dans votre tête et bien dans votre vie, et que vous n'avez jamais eu ce type de traitement, je dis juste qu'effectivement si vous êtes en horaire décalé, ça peut vous aider à vous endormir le soir plus apaisé, ou au cours de la journée si des fois vous avez des moments de stress, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle, ça aide en fait à effectivement vous apaiser sans aucun côté enivrant, sans aucun côté drogue, soyons très très clairs, puisque l'IS, tout comme moi, là où on travaille, donc nous pouvons à tout moment être dépistés, vérifier que nous ne prenons pas de stupéfiants ou autres. Donc croyez bien qu'on est très très vigilant, et en plus on n'est pas du tout attiré par cet univers là ça nous correspond absolument pas. Donc voilà, c'était vraiment le petit produit pour la fin. Je vous le mets en fin de vidéo. Je ne sais pas si Grineo sera très content que je vous mette en fin de vidéo, mais comme je vous l'ai expliqué plus tôt, je préférais le faire en fin de vidéo puisque c'est un produit qui est quand même particulier. Et en plus, je tenais vraiment à prendre le temps de vous expliquer pourquoi, comment j'en suis arrivée à vouloir tester ce produit-là.
Et voilà, c'est pas le genre de produit que j'ai l'habitude de présenter sur ma chaîne, soyons honnêtes. Voilà, en tout cas, si vous le testez, n'hésitez pas à m'en parler. Je vous mets le code promo, donc Alliance, en barre d'infos. Donc voilà, le site c'est donc Greenéo et je ne peux que vous le conseiller. Et moi, comme je vous dis, je serai très certainement amenée à racheter le produit une fois qu'il sera terminé. Mais je vous ferai un bilan dans mes produits terminés, voilà, quand ce sera le moment voulu. Voilà. Donc comme je vous dis, hein, j'ai du retard, donc ça se trouve peut-être que je parle de ce produit pour rien. Donc c'est vraiment, comme je vous dis, ça se trouve je vais me prendre un strike, comme on dit, on va me prendre mon crédit, mais je m'en fichais, je voulais vraiment vous en parler parce que j'en suis vraiment contente. Et peu importe le crédit, je m'en fous, mais je voulais pas vous dire n'importe quoi, je voulais vraiment aller au bout de mon expérience. Et comme je vous l'ai dit, comme moi j'utilise plus sur les matinées que sur les soirées, forcément ça a mis un petit peu plus de temps. Voilà la raison pour laquelle j'ai attendu pour vous en parler. J'espère en tout cas que ce nouveau vlog vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.